Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, ravis de vous retrouver sur ce compte Facebook Activité Bogifra pour vivre ensemble une nouvelle Eucharistie en direct ou éventuellement en rediffusion. Aujourd'hui, nous aurons deux rendez-vous de messe en direct. Nous serons également à 12h15 en direct depuis l'église Saint-Martin d'Arlon pour vivre ensemble la messe de première communion des enfants des paroisses du centre-ville. Mais notre première Eucharistie, celle de 10h, nous est proposée depuis l'église Saint-Valentin de Frassem, en excellente compagnie, celle de M. l'abbé Roger Maldague, qui sera notre célébrant pour ce quatrième dimanche de Pâques. Ce dimanche est aussi celui de la journée mondiale de prière pour les vocations. C'est une journée d'invitation à la réflexion. Quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière pour qu'une liberté humaine découvre son chemin. Elle a besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle de l'Esprit-Saint. Ce merveilleux chant de la communauté de Thésée nous le rappelle. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Viens Seigneur et ouvre en nous les portes de ton royaume. Bonne célébration à toutes et à tous. Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Le pasteur de l'Évangile, c'est Jésus, le ressuscité du matin de Pâques. On le reconnaît, il fait don de lui-même. Il est tourné vers ses brebis, prend du temps avec elle, il les connaît et cherche à les faire grandir. Il se met à leur service pour qu'elles trouvent le chemin de la vraie vie. C'est-à-dire qu'il se met à notre service, nous qui avons un jour voulu le suivre. En ce dimanche des vocations, nous sommes aussi invités à prier pour ceux et celles que Dieu appelle à devenir porteurs de la bonne nouvelle, dans l'Église, dans le monde.
pour ceux et celles qui, par amour et librement, acceptent d'être envoyés par le Christ en se mettant au service de son royaume. Aussi, avant cette Eucharistie, préparons nos cœurs à accueillir le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu jusqu'à la mort, tu nous guides vers le Père, prends pitié de nous. Christ, Messie de Dieu parmi les hommes, tu nous donnes ta parole de vie, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, premier-né de toute créature, tu nous offres le pain de la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui nous a donné son Fils par amour, nous accorde son pardon et qu'il conduise nos pas vers la vie éternelle. Amen. Dans sa vie, il nous sauve et nous entraîne chez toi. Que ton esprit nous donne de le suivre avec bonheur. Lui, Jésus le Christ, le bon pasteur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous disons parfois du nom de quelqu'un qu'il nous ouvre toutes les portes. C'est par le nom de Jésus que Pierre guérit un homme et le sauve. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, déclara « Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Gloire au Père, Seigneur. Jeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia. Pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 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 Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois dans les conversations, vous entendez très souvent « moi, je ». Et vous en déduisez que la personne qui s'adresse à vous est quelque peu vantarde, qu'elle se met en avant. Il n'en est rien du Christ Jésus. Il dit « Moi, je suis le bon pasteur ». C'est son identité. C'est aussi parce qu'il a été envoyé pour être au service de tous, sans exception. Nous avons déjà à prendre leçon de cette attitude du Christ à l'égard de chacun et de chacune d'entre nous. Oui, je suis le vrai berger et je soigne mes brebis. Je leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Vous l'avez déjà expérimenté. Chaque dimanche, lorsque nous entendons les lectures, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, Jésus nous donne ou se donne en nourriture pour chacun et chacune d'entre nous. Et il faut bien admettre que c'est cela qui nous fait vivre vraiment. Certes, on est loin de la fidélité du monde, qui n'en est plus une d'ailleurs, mais notre fidélité, elle constate que Jésus prend soin de nous, de notre évolution, de nos progrès, de nos failles aussi, bien sûr. Mais parce qu'il veut toujours que nous soyons dans un pré d'herbe fraîche, comme dit le psaume. C'est-à-dire que nous prenions le meilleur pour évoluer, pour être sincèrement et en vérité chrétiens à la suite du Christ. Bien sûr, il veut aussi se distinguer du mercenaire. Le mercenaire, lui, ne prend pas soin des brebis. Il néglige tout. Il ne les nourrit pas. Et il les disperse lorsque vient le loup. C'est une belle image lorsque vient le loup, c'est-à-dire ce diviseur qui pénètre dans l'enclos, qui fait que chacun et chacune est en panique, ne sachant plus comment s'orienter, ne sachant plus quel chemin suivre. Oui, le loup nous distrait du Christ qui est le vivant de notre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines formes de présence du loup dans la bergerie qui fait que le Christ n'est peut-être plus
celui que l'on suit volontiers. Et pourtant, toujours, il nous appelle, toujours. Le dimanche de vocation sert à cela, c'est à nous rappeler non seulement que l'Église a besoin de prêtres, de personnes engagées dans la pastorale ou dans la catéchèse ou que sais-je encore, comme visiteurs de malades, mais vraiment, nous avons besoin de nous rendre compte que toujours le Christ est avec nous. Il est le berger de nos vies. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme il s'est défini. Moi, je suis le bon pasteur. Et cela nous amène à une connaissance de Jésus. Comme lui connaît le Père et que le Père le connaît. Il y a comme un échange, parce que Jésus donne sa vie pour nous, pour ces brebis que nous sommes. Il donne sa vie, c'est-à-dire le dynamisme de l'Esprit Saint, de son esprit à lui, ce qu'il a guidé pendant toute sa vie sur notre terre, parmi les hommes. Et donc, c'est à cela que nous devons être concrètement attentifs dans notre vie de tous les jours. C'est être attentif à la présence de celui qui non seulement est là, mais qui nous guide, qui nous inspire nos actes, nos gestes, parce que le monde a besoin de tous ces gestes d'amour, de toutes ces paroles d'amour, qui, en ce temps de Pâques, ça nous est rappelé, relèvent toujours, redressent, font en sorte que on sent le bonheur de Dieu qui nous habite dans le cœur et qui se traduit dans les gestes concrets. Et pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, le bon pasteur, il a une parole, et c'est une parole de vie. Et chaque fois que cette parole est entendue, comme en ce dimanche encore, eh bien, chaque fois que cette parole est entendue, il faut faire attention de bien la recevoir. Parce qu'elle fait notre vie dans l'enclos qui est un petit peu notre Église. Eh bien, dans cet enclos, il faut ouvrir les portes pour que puisse entrer la vie. Pas le loup, mais la vie de Jésus, qui vient nous transformer, qui vient nous motiver, qui vient nous dire, écoute, fais attention dans ta vie, il y a tant et tant de choses qu'il convient d'avoir comme chrétien en vivant l'Évangile. Alors, frères et sœurs, comme le Christ, nous devons appeler, nous devons nous rendre compte que nous avons à donner notre vie. Notre vie est un don. C'est un don, mais qu'il ne faut pas conserver pour soi, sinon c'est de l'égoïsme. Mais c'est un don qui se donne, comme le Christ lui-même. Je donne ma vie pour mes brebis. Nous devons donner de notre vie les uns aux autres pour que nous puissions vivre en compagnie de celui qui nous guide, le Christ lui-même. Alors, chers frères et sœurs, pour faire cela, nous avons besoin de prière. Car il y a une petite phrase qui nous dit, mais parce que je donne ma vie, je la reçois à nouveau. Quand je donne ma vie, quand je donne un morceau de ma vie à quelqu'un, quand je le soigne, je lui donne ce dont il espère, eh bien, il y a comme une circulation de l'amour, comme entre le Père et Jésus, une circulation d'amour. Ce que je donne, je peux encore en retour le recevoir. Et c'est un amour sans fin qui se donne. Amen.
proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de prière pour les vocations, prions avec foi et espérance le Christ vivant, ressuscité, sens de nos vies. Pour l'Église, appelée à annoncer de manière renouvelée l'Évangile, qu'elle ne manque pas de serviteurs, prêtres et diacres, totalement dévoués au service de la mission, par la sainteté de leur vie et la vérité de leurs paroles. Toi, le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions. Pour ceux et celles qui sont appelés à la vie consacrée ou à la vie conjugale, qu'ils répondent avec générosité, se donnent à l'amour et se mettent avec zèle au service de l'Évangile du Royaume. Toi, le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour les jeunes qui veulent donner un sens à leur vie en se mettant à ta suite, qu'il y ait toujours des pasteurs pour les guider et les accompagner avec beaucoup de générosité vers la réalisation de leur vocation. Toi, le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour notre communauté paroissiale, petit troupeau de disciples missionnaires au cœur de notre quartier ou village, qu'elle soit toujours soucieuse d'accueillir ton appel, d'engager sa vie et de le répercuter autour d'elle. Toi, le bon pasteur et le vrai berger, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Dieu, notre Père, envoie-nous l'esprit de ton Fils pour que partout dans le monde des jeunes découvrent ta parole et vivent de ton amour, et de leur répondre généreusement à ton appel en suivant le Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Seigneur du monde. Donne-nous, Seigneur, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de salut, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon de chanter ton nom, Père très aimant, Dieu notre Père. Tu nous appelles tes enfants, et nous le sommes. Nul d'entre nous n'a vu ton visage, mais nous croyons qu'il rayonne de tendresse. Nul ne comprend ton mystère, mais nous savons que tu es un Dieu d'amour. Tu veux notre bonheur, et tu nous donnes tout en nous donnant ton propre Fils. Tu as fait de lui pour tous les hommes le bon pasteur, le vrai berger. Il nous révèle ce projet inouï de ton cœur, faire de nous un seul peuple. Il a donné sa vie pour nous rassembler tous dans son amour. C'est pourquoi, Père très aimant, nous voulons te rendre grâce et chanter avec toute l'Église. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur,
que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Pierre, avec tous les évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, disait saint Jean. Puisque nous sommes ses enfants, nous pouvons nous tourner vers le Père et le prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, toi le bon berger, la paix qui vient de toi nous rassemble en un seul corps, en un seul peuple. Sous la conduite de ton esprit, fais de nous des disciples heureux de partager cette paix, pour que le monde soit comblé de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, portons notre regard les uns vers les autres et souhaitons-nous la paix de Dieu. Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous,
Le Seigneur Jésus nous a dit aujourd'hui, je donne ma vie pour mes brebis. Oui, en effet, Jésus a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est tout rempli de joie que ton peuple se tient devant toi. À toi notre louange et notre action de grâce pour l'Eucharistie que nous venons de célébrer. Donne-nous d'affirmer par nos gestes et nos paroles que le Christ est celui qui nous aime et qui nous sauve, lui qui est vivant avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
rencontrez les hommes, l'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Nous nous quittons provisoirement sur ce beau chant d'envoi que nous offre la communauté de Thésée, la communauté du Chemin Neuf, pardon. Nous étions longtemps en direct depuis l'église Saint-Valentin de Frassem. Si vous voulez réentendre cet enregistrement, il est dès à présent disponible sur notre compte Bogifra, activité Bogifra. Nous nous retrouverons vers 12h15 pour la messe des premières communions en direct depuis l'église Saint-Martin à Arlon. Et bien sûr, la semaine prochaine pour plusieurs directs Facebook dont vous nous communiquerons les détails sur le compte ici. Bon dimanche et bonne semaine. Dans le monde, les membres d'un seul corps.